Alors, ce soir, c'est le... On transpire, hein? Juste un passage. Galates 1, je veux juste le lire pour vous. Galates 1. Juste pour vous. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni de la part d'aucun homme, mais de la part de Jésus-Christ et de la part de Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père, de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés. C'est une bonne nouvelle. Quelqu'un s'est offert, comme vous le savez, pour nos péchés, pour vos péchés. Il s'est donné lui-même. On ne l'a pas obligé, mais il s'est donné. Pour quelle raison? Regardez. Il s'est donné afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de Dieu notre Père. Afin de nous arracher. Vous savez, c'est un mot très fort, un verbe très fort, très puissant, que Paul utilise ici. Inspiré par l'Esprit, bien sûr. Arracher. Pas couper, arracher. Vous voyez, quand on arrache un arbre, ça va être des racines. N'est-ce pas? De sorte qu'il n'y ait pas un seul rejeton, une seule pousse. On arrache. Waouh! Dieu est venu. Ici, Dieu est venu pour arracher quelqu'un de ce siècle. Pourquoi ce siècle? Paul dit dans Corinthiens, il dit dans 2 Corinthiens 4, si notre évangile est voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Le mot exact, c'est âge, c'est aion, aion en grec. C'est la dispensation, aion, c'est le temps, aion, c'est l'âge. Il y a plusieurs âges, c'est-à-dire des temps, des dispensations, des époques, des générations. Notre génération a un Dieu qui n'est pas le nôtre. Ce Dieu, Paul dit qu'il a aveuglé l'intelligence de beaucoup de gens, les gens qui sont de notre génération, hommes ou femmes, même des prédicateurs, même des pasteurs. Tout à l'heure, des frères sont intervenus, Jérémie, Alain, tout ça, et ils nous ont parlé de la part du Seigneur en disant que, Jérémie disait de la part du Seigneur, beaucoup sont dans la confusion, et effectivement c'est le cas. Or, le mot Babylone, Babylone signifie mélange, confusion par le mélange. Et Babylone, comme vous le savez, représente le monde, représente aussi l'ensemble de la chrétienté paganisée, où l'on ne parle que de l'argent. Matin, midi, soir, donnez la dîme, vous serez bénis. Frère, tiens, ton voisin ne paye plus la dîme. Non, il n'a pas entendu. Dîme, dîme, c'est la loi. Alléluia. Amen. Jésus a tout accompli à la croix. Pasteur que tu payes la dîme, dis-lui, et toi tu la payes à qui? C'était un impôt chez les Hébreux. S'il dit non, c'est les Lévites qui prenaient la dîme. Oui, c'était les Lévites qui prenaient la dîme. Et les pauvres, les étrangers aussi. Pose la question, et toi tu es Lévite? Tu es bien-né, tu es bêté, hein? D'où tu es Lévite toi? Tu n'es pas juif. Alléluia! Amen. Les Lévites étaient une tribu en Israël. Ce n'était pas au Congo ni en Côte d'Ivoire. Ah oui? Toi, t'es noir, t'es Lévite. T'es blanc, t'es Lévite. Tu parles miéné. Niaï, tout ça, tu parles bété. Niaï, tout ça, t'es Lévite, tout. Alléluia! Amen. C'est pour vous, c'est arnaque! Babylone. On a quelques minutes. Essayez, on va
on va vous arracher, comme le Seigneur nous a arraché par la parole. Dieu va vous arracher de ce siècle. Alléluia. Bon, si tu ne payes pas la dîme, tu ne seras pas béni. Ma Bible me dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alléluia. Depuis les années, tu payes la dîme, tu es béni comment? Tu es toujours au chômage. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. Tu prends ton billet que tu as là, ta monnaie. Qui a signé dessus? Ce n'est pas Jésus. C'est le gouverneur de la banque. Hein? La photo, tu as l'image, tu as dit Jésus? Non. C'est ton ancien président. Alors, tu vas dire que ça, c'est la bénédiction? Non. Non. La bénédiction, c'est quand tu as Jésus avec toi. Amen. La bénédiction, c'est la paix. C'est la joie. C'est la sanctification. Ce n'est pas les billets de banque. Ce ne sont pas les billets de banque. C'est qu'on vous a menti. Dieu n'est pas une loterie. Ce n'est pas une loterie. Tu donnes 10, tu rassembles. Fort! Ce n'est pas une loterie. Hein. Ce n'est pas non plus, comment on appelle ça, tiercé du tiercé. Ce n'est pas ça. Hein? Donner. Depuis, tu donnes et ton bishop roule en 4x4. Toi, tu prends le taxi. Le roro. Depuis 15 ans, tu es sur Roro. Roro, pour le français. Tu fais la queue pour prendre le Roro. Oui, il te dépasse. Il fait 40 degrés, il te dépasse. En 4x4 climatisé. La dîme. Jésus-Christ a pris la dîme de qui? De qui? Donnez-moi un seul verset. Vous avez vu Jésus-Christ, notre maître, notre modèle le plus parfait. Prendre la dîme de quelqu'un. Il a nourri les gens. Il a fait du poisson braisé pour les apôtres. Quand est-ce que ton bichon va faire du poisson braisé pour toi? Tu fêtes son anniversaire. Quand est-ce que tu vas faire ton anniversaire? Apostasie, c'est ça. Alléluia! Quelqu'un va se faire payer pour la dîme. Prends ton argent, donne aux orphelins. Donne aux pauvres. Soutiens la vraie mission. Soutiens la vraie mission. C'est ça l'évangile. C'est ça le message. Oh, offrande de reliquat, quel reliquat? Oh, l'homme que tu as prêché, il faut faire une offrande pour lui. La Bible dit, vous l'avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. C'est ça l'évangile. Alléluia. La Côte d'Ivoire va recevoir l'évangile. Dieu t'a pas parlé, prophète, tais-toi. Va prier là-bas. Mm-hmm. Oh Seigneur, sauve-nous. Le siècle présent. Oh Seigneur, sauve-nous. La dîme. Tu veux que je te bénisse? Sanctifie-toi. Amen. Crains Dieu. Amen. Oh, je vois ici quelqu'un qui a 1000 euros. Vol. Voleur. Tu vas jamais le pécher, jamais les sorciers. Que l'argent. Une délivrance comme ça, on va vous taxer 100 000. On dit, va amener une offrande qui te coûte cher. Quelle offrande qui te coûte cher? Mon corps, ma vie, je l'ai donné à Dieu. Quelle offrande qui me demande encore? Ce que Dieu veut, ce n'est pas ton argent. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. On dit non, pour la prière, on va faire une prière spéciale. Non, arrête de mentir. Jésus prie pour moi tous les jours. Amen. Il intercède pour nous tous les jours. Donc, amen. Garde ta prière pour toi. Là, tu vas acclamer, je ne veux pas acclamer Jésus. Là. Alléluia. Qui a commencé? Babylon. Apostasie. Quittez Babylon. Bon. Il s'est...
s'est donné pour t'arracher, pour m'arracher. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne veut pas quitter ce siècle. C'est pour cela qu'il faut qu'on nous soit arraché. Amen. Non, quand on t'appelle comme ça, tu ne veux pas. Tu dis ok, je veux t'arracher. Il te déracine. Il faut avoir un déracinement. Tu ne sauras même plus de quel pays tu es. Tu m'as pas de briser. De ce siècle. Parce que Satan veut t'entraîner avec lui. On va fêter l'anniversaire de l'homme de Dieu, mon fils, que chacun met un cadeau. Vous ne voulez pas que vous adorez un homme. Vous êtes idolâtres. Des vrais sorciers, c'est vous. Les vrais sorciers, c'est vous. Même si vous ne voulez pas la nuit, mais par votre comportement, vous êtes des vrais sorciers. Ça te va aujourd'hui, tu vas vous libérer. Là. Tu vas porter la Bible de l'homme de Dieu, tu as vu ça où? Il n'est pas assez costaud pour porter sa bonne. Tu chantes, caleçon serré, pantalon serré, on voit ton pistolet, on voit ton. C'est normal ça, tu peux dormir comme ça, pantalon serré. C'est pour ça même les soeurs qui ont les pantalons serrés, n'allez pas chanter. Vous trouvez ça normal, vos caleçons serrés, sérieux, on voit vos fesses comme ça, on voit vos cuisses comme il faut, vous chantez, vous le voulez pas vous sanctifier, c'est comme ça que ça fait. Allez vous habiller de ça. Vous voulez comme ça, vous chantez vos fesses derrière, dehors comme ça. Vous trouvez ça normal? Comme les hommes doivent vous dire, vous habillez les hommes. Même nous les hommes, on cache derrière. Vous voyez, on met une chemise bleue. Vous ne vous pensez pas pourquoi? Allez mettre une chemise, tu rentres dans ton pantalon comme ça. Toi, homme, prédicateur, on voit tes fesses. Tu penses pas que les femmes aussi peuvent être séduites? Regardez-moi les hommes qui ont les têtes dehors. Il faut voir arranger ça. Amen. 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 Regarde ton voisin, il faut arranger ça. Alléluia! Vous voulez qu'on parle encore, non? Vous connaissez la vérité? Hein? Il faut qu'on vous arrache! Vous savez ce que c'est que tu as fait avec Lot? Dieu envoie les anges à Sodome, à Sodome et Gomorrhe. Il dit à Lot, les anges disent à Lot, sors, toi et ta femme, sortez, et ta famille. L'autre ne voulait pas. L'autre hésitait. Les anges l'ont arraché. Hein? Ils l'ont tiré dehors. Qu'est-ce que Dieu dit? Avant qu'il ne revienne là, ça va être la même chose qu'à l'époque de l'autre, la même époque. C'est-à-dire Dieu va arracher beaucoup de gens ici. Il y a même des pasteurs qui aiment le Seigneur et qui ne veulent pas sortir leur collaboration avec les bishops qui ont le sexe. Dieu va les arracher de très loin. Il va fermer leur bâtiment. Ils vont être persécutés, c'est comme ça qu'ils vont sortir. Parce qu'il veut vous sauver. Qu'est-ce qu'il a fait avec moi, hein? Il va dire sort, il dit non, Seigneur, non, j'aime trop mon bâtiment. Il a utilisé le maire de la ville où on était. Il m'a mis dehors, en plein hiver. Allez, tu dors. Ah! Tu pleures, tu gémis. Oh, mon Dieu, tu m'as abandonné. Je ne t'ai pas abandonné. C'est toi avec ton système là, qui a fait m'abandonner. Toi. Sors là! Il va vous arracher ici. Oh, j'aime trop mon pasteur. Il va te prendre le Seigneur. Il va te donner une claque bien comme il voit. Les sentiments. Tiens, quoi, les sentiments. Les émotions. Il y a beaucoup de gens, surtout les Africains, on est trop émotifs. Trop émotifs. C'est pour ça que Dieu va régler le problème des émotions. Trop d'émotions. Vous êtes là, je sais, je vais vous arracher. Vous criez, vous chantez, vous mettez des cajons serrés, les gens qui sont assis derrière vous, ils voient vos fesses. Vous trouvez ça normal? Quand vous chantez comme ça, vous êtes avec vous, là, les frères sont en train de parler en langue parce qu'ils voient, les chefs qui sont là. Quelque chose de sorcellerie. Saint-Esprit, quand il s'habille, il se regarde dans une glace. Dieu lui parle. Moi, je vois les chrétiens, ils sont du ventre comme ça, des frères parfois. Ils mettent des hauts serrés comme ça, on voit tout le bidon comme ça, ils disent, le Seigneur, ils n'ont pas honte. Parfois, je leur dis, allez, frère, va changer. Oh là. Il y en a un qui est venu chez moi avant de venir ici à Abidjan, un ancien, il est venu comme ça, hauts serrés, on voit le bidon comme ça, oh, mets ta veste. Que chez moi, ma femme est là, les enfants, c'est quoi ça fait?
me rappelle une fois aux Antilles, on donnait le pain à un frère. Tout le temps, pantalon blanc serré, et il se dernait, hein, il se dandinait dans tout le sens comme un. Non, mais c'est quoi cette affaire là? Comme un canard, c'est quoi ça là? Vous avez campagne là-bas. Comme ça. Vous avez vos seins en l'air comme ça. Vous trouvez ça normal? Décolleté profond, avec des nichons qui. Merci Seigneur. Et les parfums qui sont là, ma fille. Sans sonnerie! Vous connaîtrez la vérité! Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. C'est pourquoi on n'est pas une parfois, vous avez dit qu'il faut être violent. Ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas pour vous amonter parce qu'on ne veut pas tomber. On va vous arracher. On dit, allez vous réveiller. Vous priez, mais en même temps, vous avez la petite statuette de Marie. Maman Marie. Hein? Je sais que vous êtes là. Vous combinez. Marie, l'eau bénite. Toi-même, pose ta main sur ton robinet. L'eau sera bénie. Avec l'eau bénite. Alléluia! Vous connaissez la vérité? C'est ça le danger! Soutane. T'as vu? Jésus a créé une soutane. L'ordination à l'homme de soutane. Oh, sorcellerie! Calme, soutane. Seigneur Jésus. Ils sont devenus de Moïse. Que vos calmes se transforment en serpent. J'ai bien dit, même. Vous avez dit quoi? Qui veut m'être arraché? Regardez les soeurs, comment ça maintenant à faire des 5 euros. Je n'ai pas encore passé des 5 euros. Alléluia! Allez, il faut Dieu. Attends. Seigneur Jésus, il s'est donné pour nous arracher. Parce qu'on ne veut pas être arraché. On aime le monde. La chair aime le monde. Je vous dis, vous êtes là, mais vous dansez le coupé, comment le coupé décalé, tout ça. Sur là, en forme musicale mondaine en plus. Il y en a qui sont les deux contre nous, ils disent voilà, il faut les tailler, je vais arrêter, je passe là, c'est pas ça. Coupé décalé. Oh! Le mensonge, ton téléphone sonne, tu dis à ton fils, dis maman, je ne suis pas là. Menteuse, mon frère. Qui ment comme ça? Je veux demander ce que vous faites. Vous êtes nombreux ici. Je veux demander ce que vous faites. Voilà, tiens, tu vas t'arracher du mensonge. Qu'est-ce qui vous empêche de dire simplement, dis que je suis occupé? Je veux le rappeler là. Vous voulez mentir. Vous êtes là. Vous dites à votre enfant, dis, papa n'est pas là. Mais qu'est-ce que vous lui communiquez comme évangile? Et c'est le même papa qui vient, qui prend la vie, qui dit, mon fils, il est écrit, il ne faut pas mentir. Je dis, le même papa. Seigneur, sauve-nous. Il y a même des cartes de membres avec photos. Quand tu payes ta dîme, on met un tampon dessus. Il a payé. Oh! Collecteur d'impôts. Seigneur Jésus. Et on va nous l'appeler ici, j'ai l'impression. Après, on prend l'avion. On vous laisse avec la parole. Vous allez vous débrouiller avec le Seigneur. Le mensonge. Tu dis à quelqu'un, j'arrive à midi. Tu arrives à 13h, tu as menteur, il faut que tu arraches le mensonge. Tout le temps, tu es en retard, tu donnes rendez-vous aux gens. Et tu es chrétien, zélé, hein. Le parallèle, c'est toi. Matin, il dit. Mais quand il faut être pratique, vivre, mettre en pratique la parole, tu as un problème. On dit, c'est l'heure africaine. On dit, non, quand on commence les réunions, si c'est 10h, il faut dire 8h, comme si les gens vont venir, vous les deux. Mais vous mentez! Et vous prenez la Bible, vous allez prêcher Jésus. Vous savez que le nom du Seigneur est blasphème en Côte d'Ivoire à cause de nous. Des faux prophètes qui annoncent des choses qui n'arrivent jamais. Et quand il y a le feu, ils prennent la vie, ils voient ailleurs. Oh Seigneur, sauve-nous. Voilà, qu'est-ce qu'il nous raconte, monsieur?
Nous, on pensait qu'elle allait prophétiser sur nous. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Nous ne sommes pas des distributeurs de prophéties, mes amis. Ah non. Dis à ton reste le message. C'est l'évangile qui sauve. Ah ouais, c'est ça, le président. Il y a des boutiques qui vont faire faillite ici. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On ne sait plus les clients. Non, c'est fini. Arraché. 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 Ton mari, tu ne veux jamais lui pardonner. Tu es là, ma soeur. Tu ne veux jamais lui pardonner. Non, ce qu'il m'a fait. Que tu es chrétienne, tu es là. Dieu me dit, tu es là. Lève ta main. Tu es là. Lève ta main. Oh, lève ta main, je t'aime. Lève ta main, je veux prier pour toi. Il s'est mal comporté, c'est vrai, cet homme. Et tu as du mal à pardonner. Parce que tu es blessé, parce que tu es un peu. Le Seigneur veut te guérir. Ah oui. Il veut te guérir, le Seigneur. N'est-ce pas? Oh, bien sûr, le Seigneur veut te guérir. Au nom de Jésus. Hein? Qui se rend compte que nous avons des problèmes dans nos églises? Aujourd'hui, si vous êtes, vous avez une boutique, vous avez une entreprise, un conseil, n'allez pas dans les assemblées, là, vous allez sortir de la pauvre. Quand vous rentrez seulement, vous dites, donnez l'offrande du prophète. Donnez la dîme de toutes les années que vous n'avez pas payé. On dit, ma fille, je veux bien prier pour toi. Ah, parce que si tu ne viens pas, parce que le Seigneur est déjà là. Parce que quand ça se déplace comme ça, il faut le sens, il faut une prière prophétique, il faut ci, il faut ça. Le frère disait tout à l'heure, il y a des gens qui sont en costard et cravate, ils vous disent, il faut être comme eux. Non, c'est pas ça l'évangile. C'est pas ça l'évangile. L'évangile doit vous choquer. Qui croit que Jésus-Christ est Seigneur? Qui croit que c'est notre modèle parfait? Bon, dites-moi, qui peut me donner un seul verset où vous avez vu Jésus-Christ vendre une Bible? C'est écrit où? Nulle part. On est d'accord? Qui est d'accord avec ça? Alors pourquoi on voit la Bible? On voit les Bibles aujourd'hui. Commerce. Qui peut me donner un verset où vous avez vu le Seigneur Jésus-Christ demander aux gens de fêter son anniversaire? C'est écrit nulle part. Qui peut me donner un verset où vous avez vu le Seigneur Jésus-Christ être ordonné avec Soudan? Nulle part. C'est écrit où? Nulle part. Nulle part. Hein? Marie l'homme frère. Qui peut me donner un verset où vous avez vu le Seigneur Jésus-Christ dire à quelqu'un, je vais faire une prière prophétique sur toi. Donne une offrande qui te coûte cher. Qui a déjà reçu cette prophétie-là? À qui a déjà vécu cela? Levez-les, s'il vous plaît. Vous êtes nombreux. Vous vous rendez compte? Donnez une offrande qui coûte. Hein? Votre Isaac. À qui on a déjà dit ça? Hein? Donne ton Isaac. Mais ce que vous dites, parce que Isaac a été rendu à Abraham. C'est ça. Hein? Parce que déjà, il faut dire à ton pasteur de rendre ton argent. Alléluia! La tête du pas sera visitée au nom de Jésus. Les vrais pasteurs vont se lever et prêcher la vérité au nom de Jésus. Dieu dit à Abraham, donne-moi donc ton fils, comme lui fils. Abraham l'a fait, vrai ou faux? Vous voulez le tuer, vrai ou faux? Dieu a dit quoi? Ne porte pas ta main sur l'enfant, n'est-ce pas? Voici un bélier qui est là, le bélier qui est là. Il faut dire au pasteur, ok, je veux que mon Isaac, ok, je te le donne. Alors donne-moi un bélier en plus, hein, donc tu me rends mon Isaac et tu me donnes un bélier. Donc c'est moi qui serai gagnant, comme Abraham était gagnant. Oh! Alléluia! Vous connaissez la vérité? Qui n'avait jamais vu les choses comme ça? Qui n'avait jamais vu les choses comme ça? Vous êtes libérés maintenant. Parce que tu aimes la parole? Oui, ma fille. Ok. Tu fais tout sur la parole? Oui, ma fille. Parce que voilà. Genèse 22. Prends mon Isaac. Mets pas dans ta poche. Tu me le rends. Et où le bélier? Et ça va pas. Jésus, notre maître,
Il a lavé les pieds d'abord. Il était simple. Vous aurez pu le reconnaître. Judas a dit aux gens, quand il a vendu le Seigneur, il a dit, celui à qui je donnerai la bise, celui a révélé. Pourquoi la bise? Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus a dit. Quand il était quelque part dans une foule, c'était difficile de le reconnaître. Parce qu'il était simple, confondu à la foule, à la masse. Mais aujourd'hui, quand il y a un prédicateur qui a un peu d'onction, cheveux un peu frisés, tout ça. Costard, dernier cri, là, tout ça. Jean-Paul Gaultier. Chaussures, Weston. Démarche, ça change de la dehors. Tu sens que dans son costume, il a du mal à marcher. Comment ça le sait? Avec beaucoup d'idolâtres qui sont là. Oui, papa, presse, papa. De où? Le lion. Alléluia! Oui, mais il est dur, ils sont durs ces gens-là. Non, on n'est pas durs. On finit bien, que vous n'inquiétez pas. Il y en a qui pensent que la délivrance, c'est tout le temps. Je vois un démon, c'est pas la délivrance, pas tout le temps. C'est pas la parole. Quand ça commence à te faire mal, c'est ça. Quand je commence à me dire, pourquoi je suis venu ici? C'est bon, c'est que le bon endroit. Amen. Vous êtes là. Vous mangez matin, midi, soir, vous ne pouvez même pas jeûner. Vous tremblez quand vous ne mangez pas, ne serait-ce que 2 heures, 3 heures. Et vous voulez voir la gloire de Dieu. Je ne dis pas que c'est parce qu'on jeûne qu'on voit la gloire de Dieu. Chrétien, sauve-nous, Seigneur. Sauve-nous. Quand les chrétiens, mes amis, ont du mal à jeûner, ne serait-ce que 3 heures. Je suis allé un jour dans un pays, je n'avais pas le nom, dans une assemblée. Le pasteur annonce au programme de jeûne, une grande assemblée. Il dit que le jeûne commence à 6 heures et s'arrête à midi. Seigneur, arrache-nous. Mais c'est normal, à 5 heures, les gens se lèvent. Ils mangent. Eh bien, ils ne peuvent plus pas manger toute la journée parce qu'ils sont déjà remplis. Seigneur, sauve-nous. Frères et sœurs, on va vous arracher de l'enfer. On va vous arracher de là. Qui a du mal à se passer de la nourriture? On est venu dans ce groupe. Qui a du mal à se passer de la nourriture? Mais bon, vous êtes tous nombreux ici. Qui a du mal à se passer du café? Chaque matin, vous prenez son café. Je ne sais pas, on n'a pas ce qu'il tue ici. Hein. Au café. Ok. C'est quoi ici? Le texte dégué. À checker. Il y a des gens, quand ils mangent, il faut qu'ils aient à checker. Sinon, ils mangent pas. Sinon, c'est comme s'ils ne sont pas remplis. Peut-être qu'il y a un problème. On va finir par là. Donc, c'est la loco. Ils peuvent manger tous, mais il faut qu'il y ait la loco quelque part. Donc, c'est le piment. Il faut qu'il sorte le piment, là, tout ça. Là. L'idolâtrie. La Bible dit, maintenant, ils sont pour Dieu le ventre. C'est pas moi qui le dis, ne le rappelez pas. Peut-être qu'il faut qu'il parle en cause de Jésus. Je vais vous dire, vous jeûnez, non? Oui. Vous faites 3 jours de jeûne. Tout le soir, vous coupez le soir. Tout le soir, à 17h55, la table est déjà arrêtée. Ce n'est pas un jeûne, ça. Un vrai jeûne, quand vous jeûnez, vous ne savez même pas à quelle heure vous allez couper. Quand vous sentez qu'il faut couper, vous ne pouvez pas vous couper. Mais quand vous avez une heure fixe, là, vous ne faites plus un jeûne, ça, parce que vous allez vous préparer bien comme il faut. Quand vous allez jeûner, ce n'est pas comme ça. Seigneur, sauve-nous. Vous faites 3 jours à 7. Le dernier jour, on va préparer un mets succulent. On va rattraper les 3 jours qu'on a perdu. Quand on a fini de manger, on a mal au ventre. C'est plus un jeûne, ça. Ça, c'est un régime. Un régime autoritaire. Qui veut être délivré? Je sens que là, au niveau de la nourriture, je sens que vous avez le calme. Hein? Non, honnêtement, qui a vraiment des problèmes avec la nourriture? D'autres, c'est le sucre. Ceux qui ont problème avec le sucre. Toujours faut manger du chocolat, vous enlevez les masques, s'il vous plaît. Bonbon,
Celui qui soit attaché au roman, je suis dans putain. Ceux qui sont attachés au chewing-gum, levez les mains s'il vous plaît. Ok, merci pour votre sincérité. Mm-hmm. Ceux qui sont attachés à la télévision, levez les mains s'il vous plaît. Amour, gloire et beauté, feu de l'amour, levez les mains s'il vous plaît. Les séries brésiliennes là, levez les mains. Ok. Qui peut rester 3-4 jours sans lire la Bible? Levez les mains. 3-4 jours sans méditer la parole de Dieu. Levez les mains. Non, vous êtes plus nombreux que ça, s'il vous plaît. Levez les mains. Ok. Qui parfois oublie de prier? Vous m'en avez compte, hein? Nous avons des problèmes. Dites-moi, on fait quoi? Hein? Il faut être arraché. Frère, je sens qu'il y en a ici. Que Dieu va arracher, briser mon renouveau. Il a déjà commencé par le briser. Bien comme il faut. Dans vos familles. Il permet des difficultés, il permet des problèmes de souffrance, c'est parce qu'il a un peu de vous arracher. Amen. Vous savez, une personne que Dieu brise, c'est une personne qui ne va plus se plaindre le matin et le soir. J'ai appris par le temps Paul peut le dire, à me contenter de ce que j'ai. Non, c'est pas normal. Moi, il faut qu'on réussisse. Il faut qu'on réussisse ça, c'est pas normal. Tu te plains toujours, toujours. Pourquoi? Pourquoi? T'es qui? T'es qui, toi? T'es qui? Qui suis-je? Je perds le nom de ma famille comme ça tout le temps. Dieu me dit, tais-toi. Qui es-tu pour juger Dieu? Poussière. Poussière. Il y en a, tu vois, les arracher du micro. Ils aiment trop le micro. Ça veut dire le micro, là, c'est comme le maïs. Là. Quand on voit le maïs, là, jusqu'à la dernière graine, il faut, on ne veut pas lâcher. Ce monsieur est terrible. Vous allez bien? Tu es triste? Qui veut se repenser? Merci pour la main levée. Qui d'autre? Levez-vous, vous pouvez vous repenser. Ceux qui veulent le baptême, venez. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Il y a une autre personne qui est dans la sorcellerie ici, qui veut se repentir. C'est une grâce pour toi. Mes parents, s'il te plaît. Viens de vous. Regarde comment Dieu change cet enfant.
diable. Viens me voir. Au nom de Yeshua. Dis non à la sorcellerie. Dis non à Satan. C'est possible. Père, merci. Waouh, c'est beau. C'est une grande journée. Un grand jour pour vous. Qui veut être arraché de la vie charnelle, de tout ce qui est chair? Être arraché de la colère, être arraché de l'orgueil, du tribalisme, être arraché de la peur, être arraché de tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Oh, il y a une onction pour vous, une onction pour vous, une onction qui est là, une onction du Saint-Esprit qui vient maintenant pour briser vos chaînes, maintenant, au nom de Yeshua. Je dis maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, le Seigneur vient vous arracher de là. Mon frère Francis, Jérémie, tout ça, si vous pouvez venir prier pour ces hommes et ces femmes, s'il vous plaît. Alléluia, Jésus, alléluia, Amen. On va prier pour eux. C'est pas ça, on a des choses. Alléluia. Il y a l'origine pour ça, vous savez. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Alléluia, alléluia. Oh Seigneur, merci. Alléluia, gloire à Dieu. Docteur Niaoui, ma soeur Solange, est-ce que vous venez pour prier pour les gens, si c'est possible? S'il vous plaît. Et l'onction du Saint-Esprit qui est là. Dieu va les arracher de choses. Dieu va briser les choses que l'ennemi veut leur imposer. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Même ceux qui sont assis, ne vous inquiétez pas. La puissance de Dieu est là pour vous arracher. Il y a des démons qui sortent maintenant. Il y a des esprits impurs. Les esprits de serpent que je vois ici, là, qui commencent à sortir, à quitter vos cœurs, à quitter vos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour la puissance de la résurrection, papa. Merci pour, alléluia, le feu du Saint-Esprit qui vient consumer les œuvres des ténèbres dans la vie de ces hommes et ces femmes. Alléluia. Ceux qui peuvent se lever, levez-vous. Ceux qui sont malades, vous restez assis. Et ceux qui peuvent se lever, mettez-vous debout. Nous allons prier. La puissance de Dieu est là pour vous rendre libre. Prie pour ta famille, prie pour ta vie. Prie pour tes enfants. Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Des douleurs au niveau du ventre. Je parle à quelqu'un ici, des douleurs abdominales. C'est quelque chose qu'on a mis en toi là, là, être ma lettre, ma femme. Viens ici, l'onction qui vient sur toi, la grande libre, on va dire joie et louange. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Merci. Merci pour ton onction, Seigneur. Maintenant, voici la puissance de Dieu. Oh Alléluia. Lâche-la. Oh Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu.
Alléluia. Prenez tous ces gens pour le baptême, Julien. Ceux pour que la prière, allez parler avec lui quelque part pour prendre. Pour voir comment on va le baptiser, tout ça, la Bible. Peut-être, mais si vous pouvez prier pour les gens. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, votre femme soit guérie. Lâche-la, lâche-la. Voilà, lâche-la. Lâche-la. Sors! Le Seigneur veut renouveler vos dons spirituels. Je vais s'en prendre vos mains. Il renouvelle les dons de l'Esprit. Que les prophètes soient renouvelés au nom de Jésus. Voici la puissance de Dieu. Maintenant, au nom de Yeshua. Alléluia. Les missionnaires, il y en a que Dieu va envoyer en mission dans les nations. Voici la puissance de Dieu. Au nom de Yeshua, alléluia. Gloire à Dieu. Et les... Il y en a que les dons de guérison. Voici la puissance de Dieu. Sur vos vies, voici. Dons de miracle, la puissance de Dieu. Voici la puissance de Dieu. Oh Père.
Touche-la au très mal. Thank you.
chantons tous ensemble. Thank you.